Si je peux vous aider. D'accord, merci. Merci ça beaucoup. Je suis chargé là. Ouais. Vous n'habitez pas loin, je pense. Oui, je suis juste à côté là. Ah, d'accord, ok. Vous savez, j'ai pour habitude de me comporter en gentleman, hein. Ah bon? C'est pas la première fois. Je suis pas d'ici, je viens d'arriver. Ah. Oui. Je sors de Paris, plus précisément à Bobigny. Bobigny? Bobigny, oui, en France. En France? Oui. Bobigny? C'est une banlieue parisienne. Je connais seulement la France. C'est pas très connu, mais c'est pour des jeunes chercheurs qui vivent en France. Ouais. Ah bon? Oui. Et la ville ne m'a pas tellement souri là-bas. J'ai décidé de rentrer au pays. Et désormais, maintenant, ce que je vois, je fais. Ah bon? Ce que vous voyez, vous faites? Je vous bats comme je peux. C'est madame? Madame Mama Choco. C'est comme ça qu'on m'appelle. Moi, c'est Chocho. Chocho. Chocho, ouais. Chocho. La similitude, là, déjà. Oui, Choco. Sacré. Choco. C'est sacré, bien. Sacré, petite harmonie, petite ambiance. Ouais, ouais, ouais. Sinon, ça va? Non, ça va très, très bien. Qu'est-ce que vous faites avec autant d'œufs et de trucs? J'ai besoin de faire dans le cafétéria. Cafétéria. Ouais, 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 à manger. Tu sais, je suis une veuve. Mon mari m'a laissé sa femme aujourd'hui, 6 ans. Wow. Je suis avec les enfants, je les envoie à l'école. On peut manger si Dieu le veut. Ouais. Ouais, donc c'est un peu ça. D'accord, d'accord. Non, ne vous inquiétez pas. Hein. On dirait que le destin nous réunit. Ah parce bon? Que moi-même, je suis un homme libre. Hein? Ouais, ouais, ouais. Je suis à la recherche d'une conquête. Mais je suis déjà vieille. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ah bon? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous savez, en France, c'est le cœur avec le cœur. C'est pas l'âge. Avec... Non, ça compte pas. Oh. Ça compte pas. D'accord, je comprends. De toutes les façons, on aura le temps de s'accorder. Je vous accompagne. Merci. Très belle femme, vous êtes. Merci, c'est comme ça que mon mari disait que je suis trop belle. Papa, tu as vu le match de Juventus l'autre jour. Ah, voilà, c'est. Il dit que le. Cristiano, c'est la mort du joueur. Voilà, en vrai, non. Cristiano, c'est la patte. C'était la magie, Cristiano, non. Panda. La magie du joueur. Pied gauche des dents, oui, chérie. Je sens venir parler cela du match. Oh, bébé, calme-toi. J'ai dit, maman Choco. Oui. La fête d'allumettes, là, tu fabriques seulement ça ou quoi? Ouais, patientez, pardon. Ma fille allait acheter les allumettes. Mais papa, elle a pris l'avion. C'est quelle histoire d'allumettes depuis une heure des temps que nous sommes ici. Calme-toi. Dédiqué, les gars, sur le seul restaurant dans ce secteur. Vous ne comprenez pas le secteur. Ça, c'est le vrai marquis du quartier. Ici, là, la matesse, c'est la seule. Quand tu tombes. Voilà, dis-le, non, mon frère. Chérie, quand tu tombes ici, non. La pâte, ça pâte directement dans le tibia. Parce que c'est dans le tibia que nous devons faire une heure des temps ici. Oh, bébé. Madame. À cause des allumettes de 25 francs, on va faire une heure de temps ici là. Levez-moi, je pars. Madame, depuis que nous avons fait une heure de temps ici là, à cause des allumettes de 25 francs, la fessière même c'est un peu. Depuis une heure de temps. Ha! Levez-moi, je pars. Mais bébé, tu pars comment? Papa, laisse. Tu lances? Là, il lance. Quoi? On va patienter. Non, on attend. Moi, j'ai fait mes boutons. Laisse-moi patienter. Là, tu attends. La matinée, c'est là, vraiment, l'histoire des allumettes, c'est là, vraiment. Ouais, maman, vraiment, c'est chaud, hein. Faut que je suive seulement, mais oui, il n'est pas le choix.
gagner la compétition. On est dans une veille là hier, maman. Et on est rentré comme nous sommes partis. Alors fais-moi seulement rapidement quelque chose là. Ne me dis pas. Même pas le petit café comme ça pour nous donner. Aïe! Là où je suis là, non. J'ai faim jusqu'à pardon. Fais seulement rapidement quelque chose pour moi. Saute-moi. Tu as quoi les pattes, non? Je saute ça rapidement, s'il te plaît. Faim là jusqu'à. Le problème maintenant, c'est les allumettes. Depuis que Déborah est partie chercher les allumettes, jusqu'à présent, elle n'est pas encore arrivée. Je ne sais pas comment les enfants là sont. Je ne sais pas. J'ai déjà perdu au moins 13 clients ici là. Maman, laisse seulement les enfants de maintenant, non. C'est comme ça partout. Ah, les enfants de quoi? Les enfants de quoi? Je veux mettre quoi sur l'enfant? Hein? Quand j'ai toujours dit dans la famille que la femme, si elle est bête, vous allez tout supporter. Hey, voilà, Akamba. Je ne suis pas ton égal, de un. J'ai les enfants qui te dépassent. Je suis arrivée dans votre famille, tu étais encore comme ça. Aujourd'hui, tu me parles fort. Je ne peux pas m'expliquer. Comme ça là, vous portez tout ça là. La boîte d'allumettes, c'est quoi par rapport à la bouteille de gaz? Hein? Il t'est jamais arrivé d'oublier quelque chose dans ta vie. Ici, c'est mon bureau. Tu as compris? Ton frère est mort depuis 6 ans. Ici, c'est mon bureau. C'est grâce à ça que je les avoue à l'école. C'est grâce à ça que je les nourris. Tu as compris? Pardon. Hors de mon bureau, s'il te plaît. Hors de mon bureau, s'il te plaît. Tout ça, c'est mon frère. Je dois jouir de ça, madame. Je te rappelle que si mon frère ne te retirait pas de la misère dans laquelle tu étais, tu n'allais pas avoir tout ça. Pardon. Viens, tu te tapes les ailes. J'étais dans la misère. Quoi? Akamba, ne me manque pas de respect comme ça. Vite, hein. Tu n'es pas la misère, tu te l'envoies. Non, tu as là maintenant, tu es déjà en train d'escamper. Je ne suis pas d'accord avec toi, Akamba. Michel. Je dis, respecte la limite là, je ne suis pas avec toi. Nous ne sommes pas familiers, s'il te plaît. Tu es venu pour moi aujourd'hui ici. Je suis venu pour toi. Je suis en mission. Ah, quoi? Mais il fallait me dire que tu venais en mission. Il fallait me dire. Donc je tu n'avais pas marché avec toi. Je te rappelle que depuis que ton frère est mort, ça fait 6 ans. C'est dans ça que j'envoie mes enfants à l'école. C'est dans ça que je les nourris. Tu as compris? Toi, tu n'as jamais accepté un cahier à un enfant. Tu as compris le rôle, je vais te rappeler. Du vivant de mon frère, je ne souffrais pas. Je n'avais pas le problème de nourriture. Donc là où je suis là, frère, c'est que tu peux mélanger là-bas, tu me donnes, je mange. Il n'y a pas. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école, pour survivre dans la vie. Chose promise, chose faite. Directement.